Oui, je le veux. Oui, je le veux. On applaudit. Cette devise, c'est de rendre le rat les gens heureux. J'aime ça quand ils rentrent ici, puis ils sont contents. T'sais, moi, d'abord, je suis contente de les recevoir. T'sais. N'importe qui, tu sais, une amie ici, dans le corridor, là, tout ça, là. Je suis sociable, c'est une personne sociale. Je suis née à Saint-Vallier, comté de Bellechasse. Et j'ai demeuré là à peu près 6 mois avant que mes parents déménagent à Québec, dans la ville de Québec. Maman était une personne très délicate, pas très grande. Elle était institutrice. Dans sa place natale, l'île aux grues. C'est juste en face de Montmagny. Mon père venait de Saint-Vallier. Et puis, il allait se promener à l'île aux grues parce qu'il y avait de la parenté, là. Alors, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Alors, mon père, c'était un homme très grand, à peu près 6 pieds, une stature assez forte. Et puis, très bel homme, mais timide, un homme plutôt timide. C'est maman qui a, comment je dirais ça, déluré mon père. T'sais. Alors là, il a fait un cours de, il appelait ça d'horticulture. Alors, comme c'était le premier... diplômé en horticulture. Alors, c'est lui qui a été nommé régisseur de la ferme expérimentale. Puis, je suis arrivée là, j'avais 4 ans, parce que mon autre sœur après moi avait 3 ans, puis le bébé avait quelques mois, mais une autre petite fille. Et puis là, on a vécu à De Chambault pendant tout le temps quand j'ai là. Ah, le gros lot, ah, c'est à moi, ça. Il y avait gagné. Comment il avait marqué ça en dernier, là? Quand j'ai marié Madeleine, j'ai gagné le gros lot. Le jackpot. C'est ça, le jackpot. Ça se passe entre les mains, ça va et ça vient, ça passe et on n'y peut rien.